Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Lou, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee et on va aujourd'hui vous parler de ce qu'on a en plus dans nos cours qu'on avait pris à Ed concernant ce que lui a appelé From the Thunder. Donc c'est des petites émissions d'une vingtaine de minutes de José. Et il y a plusieurs thèmes et je trouve que c'est assez sympa d'en parler. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dont on a déjà partagé les infos. Mais ce que j'aime bien, moi, déjà dans un premier temps, c'est que là, on a vraiment des vingtaines de minutes sur des questions qui sont posées à José. Et ça permet d'avoir, lui, son point de vue, en tout cas à l'époque de l'enregistrement, à ce niveau-là. Tu les avais vus, toi, ces vidéos ou jamais? Parce que moi, je les ai vues. Ouais, avant de les voir là sur le non, cours de non, tu les as jamais vus. Je savais même pas que ça existait. Hein? Et apparemment, c'était toute une série télévisée sur une chaîne de télévision privée. Et effectivement, comme tu dis, 20 minutes chaque fois, c'était, puisque c'était vraiment rempli d'informations, c'était vraiment une bonne période de temps pour donner. Et c'était bien aussi qu'il y avait quelqu'un qui lui posait des questions. Ouais. C'est partiellement interview, quoi. C'est ça. Je trouve que l'idée était bonne. T'imagines d'avoir pu, à l'époque, se faire filmer et passer à la télé. Il y a même une vidéo que j'avais partagée sur le groupe Silva de la dernière interview qu'avait fait José à la télé, pareil, dans une émission matinale où il y avait Ed et José. Pareil, c'est une interview où ils expliquent un petit peu comment fonctionne la méthode Silva, les différentes découvertes qu'ils ont faites. Et je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir toutes ces archives-là télévisuelles de cette période. Aujourd'hui, on enregistre tout en vidéo, mais à l'époque, ce n'était pas forcément aussi facile que ça. Donc, c'est assez génial. Alors, là, on va vous parler de… On va faire un petit mixte sur les trois émissions qui étaient comment on a commencé, ce qu'on a appris et enseigné aux enfants. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont particulièrement marqué sur les vidéos, des choses où tu t'es dit, tiens, c'est intéressant, que ça t'a rappelé quelque chose ou là, tout ce qui a été posé, parce que c'est vraiment des bases, c'était quand même des choses que tu avais déjà entendues, expliquées de cette façon-là. C'est vrai qu'à un certain degré, presque tout ce qu'il avait mentionné, j'avais déjà entendu parce que justement… J'avais fait mon première formation en 1988, des formations en tant qu'instructeur. Et puis, depuis là, je suis allée régulièrement tous les ans à la Rido. Nous avons invité José lui-même à venir en France deux fois pour présenter le Ultra. Donc, j'avais déjà entendu pas mal de ces choses, mais il y a longtemps quand même. Donc, c'était très intéressant de les entendre un peu comme rappel de l'histoire, si tu veux. Et ce qui m'a plutôt frappé, c'était que je me rappelle à l'époque, il discutait des choses d'une façon vraiment, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je n'étais pas sûre si j'étais tout à fait d'accord, mais je l'ai accepté quand même. Mais maintenant, en revoyant, je crois qu'il a hyper simplifié pour le public. Ouais. En général. Donc, déjà, l'histoire des deux hémisphères. Hein? Ouais, on sait que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et aussi, même l'idée des niveaux bêta, alpha, theta, etc. Il disait qu'on était plutôt sur 20 ou 10 ou 5 parce que c'était central. Mais là aussi, je crois qu'il a... Je crois pas du tout qu'il n'avait pas les connaissances. Je crois qu'il avait... des connaissances profondes, il avait beaucoup lu, mais il a hyper simplifié. Et je crois que si on prend ça plutôt que dans le temps, dans le contexte des deux cerveaux, plutôt qu'en métaphore, on va comprendre. Mais ce qui m'a vraiment convaincue qu'il savait ce qu'il disait, c'était, et je crois qu'on en a parlé entre nous une fois, c'était dans un cours pour les instructeurs. Et il y avait une femme médecin
qui, je crois que c'est pris un tout petit peu, mais lui, il était autodidacte, il n'a jamais allé à l'université, tout ça. Et elle lui a contesté le fait qu'il avait mis alpha entre 7 et 7 et 13 cycles par seconde et que bêta. Et il disait, mais non, nous, on a toujours entendu entre 8 et 12. Et il dit, ouais, c'est quand même approximatif, on peut aussi dire, non, 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 moi j'ai toujours entendu 8 à 12. Alors, il n'a rien dit, il a passé à autre sujet, et le lendemain matin, il est arrivé, mais vrai, avec une pile de gros livres, comme ça, avec les post-it là-dedans. Et avant de dire toute autre chose, il ouvre le premier livre. Psychologie, neurologie, c'est plus quoi, mais plusieurs disciplines. Et il dit alpha entre 7 et 13 cycles par seconde. Et le livre, bah, encyclopédie, alpha entre 7 et 13. Je ne sais pas combien de temps il a passé la nuit à chercher tout ça, mais justement, il n'a pas inventé quelque chose pour être plus simple, parce que c'était simplement que c'était moins connu, si tu veux, par certaines disciplines, mais c'était quand même accepté scientifiquement. Et ça m'a beaucoup impressionné. Beaucoup. Ouais, c'est là où tu vois que bah justement dans la première partie où ils parlent des bah de ce qu'ils ont découvert et on le sait hein, c'est ce qui est étudié en cours et tout, mais on voit alors attends, en plus Ed a fait un truc bien, c'est qu'il a fait un petit résumé à chaque fois des points qui sont vus. Ce qui est bien, c'est que on voit la manière dont il est arrivé, et ça on en a déjà parlé, à aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que on sent qu'il y a eu énormément de boulot. Comme il disait, il est passé de la psychologie à la parapsychologie. Bon, ça, on le savait, mais je trouve que c'est intéressant. Ce qu'il a et ce que tu viens de souligner, travaille sur les cycles. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y a un questionnement, et comme tu dis, il y a certainement une simplification pour que les gens comprennent, mais le parallèle qu'il fait, alors je rappelle, hein, pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les 40 vidéos précédentes, il y a donc des cycles cérébraux où on va avoir des fréquences, et sur des fréquences, en général, on va dire de 21 à de 14 à 21, de 7 à 14 ou 7 à 13 si on veut être plus précis, de 4 à 7 et après sous 4. Donc on a les différents niveaux de vitesse entre guillemets de wave de variation et de fréquence au niveau du cerveau. Et ce qui est assez intéressant, c'est cette comparaison qu'il faisait entre les fréquences cérébrales et les âges. D'entrée, il va dire par exemple que bah, donc quand on est petit, bah, ça va être, mais il a hyper simplifié parce qu'il y a un moment, je pense que c'est plus complexe que ça le cerveau, mais il disait qu'en gros, bah, quand on a 4 ans, bah c'est à 4 Hz. Quand on a 7 ans, c'est à 7 Hz. Et ainsi de suite. Quand on a 14 ans, bah c'est 14 Hz. Et l'idée est donc de revenir, et ça c'est amusant, à 10 Hz alpha. Et c'est avoir le cerveau d'un enfant de 10 ans. Et je trouvais que c'était intéressant comme parallèle, parce que ça, nous, on n'en a pas beaucoup parlé entre nous, mais c'est un parallèle qui fait. C'est comme il dit, le zen et la méditation passive, et ça, il met bien une différence entre méditation active, méditation passive, et on va revenir un petit peu dessus, c'est 5 Hz à peu près. Et il dit, eh ben, les personnes qui font du zen ou de la méditation passive, c'est comme si on était en train de travailler avec quelqu'un qui avait 5 ans. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que nous, en hypnose, on dit le subconscient a environ entre 5 et 7 ans. C'est souvent ce qu'on dit. Or, si on prend sa logique 5 et 7 ans, c'est bah, à nouveau en θ. Or, c'est ce qu'on était en train de dire, nous. Le niveau somnambulique en hypnose hellmannienne, ou en tout cas sur les chaînes de Aaron, bah, on va souvent être sur cette logique à dire le subconscient entre 5 et 7 ans, et c'est un niveau dit θ chez Sylva. C'est amusant cette comparaison avec les âges, alors même si je pense que là, une fois de plus, tu as complètement raison là-dessus, à dire que c'est pour simplifier, que les gens peut-être mémorisent plus facilement. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est une image qu'on reprend aussi beaucoup en hypnose. Le subconscient, c'est un gamin, il a entre 5 et 7 ans. Et bien, ça serait du sens par rapport à toute la dynamique que veut mettre en avant José, à dire nous, on travaille à 10
à 10 Hz, donc entre 7 et 14 en alpha, parce qu'on peut être plus créatif et pas passif comme on peut l'être méditation, hypnose, etc. On reviendra un peu dessus, mais j'ai trouvé ce comparatif fréquence-âge super pertinent, surtout comment il explique, parce qu'il revient pas mal dessus. Ça c'est quelque chose que... toi, qu'est-ce que tu en penses de cette notion-là? Parce que je trouve que c'est assez intéressant comme notion pour donner des comparaisons entre l'alpha et le theta, par exemple, entre la méditation zen et la méditation active que propose José. Comment toi, tu le perçois, cette info et cette notion-là? En fait, quand on compare, d'abord, quand on est en hypnose, tout le monde qui est en hypnose profonde sait que vous acceptez ce qu'on vous dit comme si c'est un adulte qui dit à un petit enfant. Quelquefois, tu prends les choses totalement littéralement. Est-ce que tu veux même me le décrire ça? Oui. Et on ne dit rien parce qu'on a compris littéralement. Et tout ça, on est vraiment comme si un petit enfant. Et puis, si on arrive à 10 ans, justement, ça, c'est l'âge où on pose des questions, on cherche à comprendre, on cherche des solutions. Donc, c'est vraiment l'âge parfait pour l'apprentissage. Mmh. Et c'est aussi le niveau parfait pour un adulte qui veut apprendre, hein, pour être assez passionné, pour être attentif, mais quand même assez ouvert, ne pas dans le système rigide d'éducation qui souvent, en fait, empêche le vrai apprentissage. Donc, moi, je trouve que c'est... Et en plus, quand on est à niveau alpha, on redevient comme un enfant. Et ça me rappelle une fois, alors, c'était où là? Quelque part dans le Nouveau Testament. Ah oui, on dit que c'est difficile pour quelqu'un d'entrer dans le Kingdom of Heaven, le royaume des cieux. Ouais. Comment est-ce qu'on doit le faire? On doit redevenir comme un petit enfant. Alors, franchement, pour moi, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler à un niveau alpha, parce que là, on redevient comme un petit enfant. Donc, si on est en alpha, on peut entrer dans le royaume des cieux. Le paradis pourrait être ouvert par la méditation. Et c'est assez intéressant, parce qu'au bout du compte, beaucoup de civilisations comme l'Extrême-Orient vont dire qu'on va passer à une forme d'éveil ou de retour à un soi plus initial, plus réel, donc peut-être la métaphore du paradis au travers de la méditation. C'est vrai que la notion, elle est intéressante. D'ailleurs, sur la sémantique kingdom, donc royaume, José, j'ai trouvé qu'il a fait une belle comparaison. Il dit il y a plein de royaumes, et il parle du royaume de la musique, le royaume de la couleur, et il va dire là encore, on est sur un élément de 7 cycles. Alors, bien sûr, c'est pas des fréquences, mais c'est le do, ré, mi, fa, sol, c'est la si, do, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, etc., etc. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il a trouvé plein de liens. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est voir comment il a associé les différentes idées. Mais cette notion de cycle de 7 qui est assez régulière, et on sait que quand on parle de l'alpha, c'est 7-14. On en avait parlé que la plupart du temps, on va parler de 10. Moi, ça m'avait étonné parce que pour moi, quand on était en alpha, on était plus proche de 7 que de 14. Et tu m'avais dit non, il parle souvent de 10, cette espèce d'équilibre qu'on va avoir dans l'alpha pour justement être stable dans cette démarche-là. Donc, ce principe des 7 cycles aussi, ce principe des différents royaumes, et là, ce que tu viens de faire comme remarque avec le royaume du paradis, le royaume... élevé, et ben là encore on se retrouve dans cette notion de royaume, donc qui est une réalité autre que la réalité physique à un moment donné, bien qu'on peut très bien se dire que musique et couleur, c'est aussi une réalité qu'on perçoit en objectif, mais il y a plein de choses subjectives qu'on n'est pas apte à percevoir. Dans les couleurs, on le sait, dans les sons, on le sait également. Je trouve que cette idée de royaume est quelque chose d'intéressant et il l'utilise beaucoup, notamment en 303, c'est où on va rentrer dans le royaume minéral, le royaume animal, le royaume humain et le royaume où il n'y a rien du tout, là, non actif. Comment c'est le premier royaume, c'est quoi Minéral. Ouais, le premier, Minéral, végétal, animal, et puis être humain, il prend comme quatrième royaume.
Donc, le principe des royaumes, c'est ça. Comment toi, comment tu le perçois, cette logique de royaume dans la méthode Silva, quand il utilise kingdom? Et c'est pas une définition de la méthode Silva. Hein? Tous les scientifiques ont toujours parlé en fait, normalement, de trois royaumes. Et minéral, végétal et animal. Et l'être humain est supposé être une partie du royaume animal, quoi. Mais pour José, l'être humain était quand même à un autre niveau d'évolution et on avait la possibilité il parlait de conscience de soi-même et il avait quelque chose d'autre. Et de toute façon, l'intelligence humaine, c'est une intelligence spirituelle, pendant que l'intelligence animale, pour José, était une intelligence biologique, que nous, on a aussi, bien sûr. Okay. Alors ça c'est sympa, ça, il en parle dans la deuxième émission. On va revenir dessus dans quelques instants. Qu'est-ce que j'avais trouvé de chouette? Donc ouais, pour lui, le yoga, méditation passive, c'est cinq cycles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette posture où on est plus passif. Et donc on attend plutôt que ce soit un enseignant, un hypnotiste, quelqu'un qui oriente vers, et donc une posture dans laquelle en interne, on est plus en train de prévoir ce qu'on va faire dans la méditation, l'intention de départ. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait de l'auto-hypnose, il y a une méthode qu'on voit d'ailleurs chez Lee et qui est envoyée chez Jerry Kine, qui était, on note la suggestion, on respire profondément, on rentre en transe, on laisse tomber et on rentre avec l'idée de cette suggestion qui va s'imprimer à l'intérieur de nous, mais à partir du moment où on a travaillé dessus, on est plus proactif dans notre auto-hypnose, on laisse la suggestion se répandre entre guillemets à l'intérieur de nous. Alors que ce n'était pas du tout ce que souhaitait José, où il voulait constamment qu'il y ait une dynamique active de la part des diplômés Silva, des personnes qui exploitent l'alpha. Alors, comme tu disais, le parallèle de l'hémisphère droit égale subconscient, effectivement, là dans ces émissions-là, il parle beaucoup hémisphère gauche et hémisphère droit. Et comme vous disiez Lee tout à l'heure, il y a cette notion très symbolique, très métaphorique, parce que justement dans la première émission, il associe bien l'hémisphère droit égale le subconscient. Ça revient au subconscient. Donc c'est une autre manière, une autre cartographie simplifiée, hein, parce que pensez bien que la cartographie qui est proposée en hypnose n'est absolument pas juste d'un point de vue neurologique. C'est-à-dire que les neurosciences vont jamais dire, tiens, le subconscient est là, tiens, l'inconscient est là, tiens, le préconscient est là, tiens, non, non, ça c'est pas vrai. Mais nous, hypno, on a pris cette habitude, cette cartographie. D'ailleurs, selon les écoles, on n'est pas tous d'accord sur la cartographie, mais on arrive à se comprendre globalement sur ce dont quoi on parle. Donc, quand vous allez lire chez Silva, ou en tout cas quand vous étudiez la méthode avec vos instructeurs ou dans les bouquins, pensez bien que quand on parle d'hémisphère droit, on est plus en train de parler à la connexion vers notre subconscient, plutôt que vraiment parler de la notion purement physique de notre cerveau à ce niveau-là. Hop, ça, je trouvais que c'était intéressant. Tatatatat. Ouais, alors. On en a parlé la semaine dernière, mais que j'avais trouvé que c'était génial. Le rappel, le centre, on se centre à 10 Hz. Donc, on rentre en alpha à 10 Hz. Et lui, c'est ce qu'il appelle les center thinkers. J'aime bien les penseurs centrés. Je trouve que cette sémantique-là, elle est chouette à garder en tête parce que on est des penseurs. On reste quand même. Le mot thinker, je trouve qu'il a du sens. On est quand même dans un centre mental et c'est dans le centre mental qu'on devient proactif. Mais on n'est pas un penseur qui va dans tous les sens. On est un penseur focalisé vers des objectifs qu'on travaille au fur et à mesure de notre session en alpha. Tu l'as beaucoup utilisé, cette sémantique de quoi? Tu l'as déjà utilisé, cette sémantique center thinker? J'en parle un tout petit peu dans le séminaire graduel quand on parle des cycles de croissance. Et justement, on part justement du centre, on explore des choses et puis ça change, ça termine et on revient vers le centre et c'est dans le centre que le nouveau cycle commence. J'aime beaucoup cette idée de cycle de croissance et chaque cycle est un peu plus évolué de l'autre, mais tout part du centre. Et puis,
connecte cette idée aussi avec l'idée d'être centré à 10 cycles par seconde. Oui, c'est ça. Cette notion, elle est intéressante. Alors, question toute bête, c'est qu'à un moment, il dit 10% des personnes, on en a déjà parlé, hein, sont connectées au subconscient naturellement. On l'est tous connecté, mais là, symboliquement, dans l'explication, qui vont plus facilement utiliser cette notion-là. Alors, ma question, c'est est-ce que 90% des personnes restent simplement en transe passive? Parce que si on estime que être connecté à son cerveau droit, c'est être connecté davantage à son subconscient et savoir l'utiliser, parce que c'est ça qu'il met en avant, hein. Il disait les génies, les inventeurs, les personnes qui ont des idées, etc. Les autres, ils seraient juste dans une transe qui est non créatrice à ce moment-là. Ils seraient où les 90 autres %? En fait, pour vrai dire, moi j'ai toujours pris cette histoire de l'autre point de vue, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils veulent penser, en fait, au lieu de pouvoir s'adapter rapidement en alpha, ils continuent en bêta. Donc pour moi, c'est plutôt que j'essaie de penser, mais je peux pas concentrer, j'ai des pensées parasites, j'arrive pas à focaliser mon attention, c'est tout comme ça, je suis stressée, parce qu'ils essaient de réfléchir ou penser à la mauvaise fréquence. Et ça me parlait. Et j'ai pas trop fait la connexion aussi avec les gens qui sont en transe profonde, donc plutôt 5 cycles par seconde. Parce qu'en fait, pour lui, l'idée, c'est qu'il voulait enseigner aux gens comment, en fait, ralentir leur fréquence en alpha pour pouvoir vraiment utiliser la puissance de leur mental au lieu de juste un peu. Mais justement, puisqu'il avait, il avait beaucoup pratiqué lui-même hypnose et il avait étudié la méditation et il savait que les gens à ce niveau. Donc, ce n'était pas qu'il n'aimait pas. Je ne crois pas qu'il a voulu diminuer l'importance des trans, mais il n'a pas trouvé un système, ni dans l'Occident, ni l'Orient, où, en fait, on pensait en alpha. On était ou en bêta ou en thêta. Et alpha, c'était juste un peu, je passe à travers et j'arrive à l'autre côté. Et là, je suis, bon, je suis bien, mais bon, je ne pense plus. Donc, je vois un peu comme ça, si tu veux. D'accord. Et pour lui, c'était important qu'on arrive à vraiment gérer le centre de toutes ces fréquences, littéralement. La notion que je trouve intéressante là dans ce que tu viens de dire et ce qu'il avait répété, je crois que c'était en vidéo 3, c'est cette notion de retourner à apaiser les fréquences cérébrales. C'est-à-dire que pour lui, on n'arrive pas à bien penser si, alors, le mot qu'on utilise, nous, quand on parle d'alpha et quand on est en 1-0-1, c'est travail de relaxation. Mais c'est vraiment ça. L'idée pour les gens qui ont plus besoin de peut-être d'imager ça autrement, c'est pas que de la relaxation. Pour lui, c'est vraiment changer la vitesse, les fréquences internes pour apaiser, pour ouvrir, et c'est vraiment l'objectif, la capacité à penser, réfléchir, imaginer, visualiser, créer de façon plus stable. Parce que bien sûr que quand vous êtes en bêta, vous pouvez imaginer. Bien sûr qu'en bêta, vous pouvez penser, vous pouvez faire plein de choses. C'est pas un handicap d'être en bêta. C'est juste que pour optimiser le potentiel humain, l'idée est de pouvoir se recentrer. Donc ce mot-là, nous, on l'utilise beaucoup en français, pour réussir à se focaliser sur quelque chose et être constructif dans le monde interne pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce que justement, on est un peu trop. J'allais dire rapide, trop speed à ce moment-là, et ralentir pour reprendre un rythme juste et devenir dès lors constructif parce qu'on ne va pas faire 50 choses rapidement, on ne va pas se précipiter. Et ce retour, je trouve, la manière dont il le partage dans les vidéos, je trouve qu'il y a vraiment cette notion-là. On retourne à un niveau qu'on a, nous, nommé relaxation, mais parfois la notion de relaxation, on peut avoir l'impression qu'on est un peu mou, un peu. Ça manque d'actif, alors pas du tout. C'est plutôt. On apaise quelque chose pour être plus focalisé. C'est un petit peu ce que fait tout le monde quand il est un peu stressé ou quand on va faire, je sais pas, on va sauter à la piscine d'un endroit un peu haut. Ou on va faire comme si on voulait se dire, allez, je reviens avec moi, je suis ici,
je suis centré, je vais exactement, je ramène tout vers une chose, je recentre, donc là on revient sur le center thinker, je recentre les choses, j'arrête d'aller dans tous les sens, à me dire je vais pas y arriver, ça va être dur, je vais me faire mal, non non, je suis là, je suis dans l'instant si possible, et dès lors je peux être beaucoup plus créatif, beaucoup plus apte à m'orienter vers une direction, un objectif que j'ai défini. Je trouve que cette façon de ramener, et pas simplement dire vous vous relaxez, oui, mais il y a une raison pour laquelle le mot relaxation est là, c'est parce que ça nous ramène vers un apaisement de nos fréquences et donc une capacité dès lors à reprendre la main et pas être dans un espèce de pattern automatisé où le stress, les différents éléments vont nous faire aller à gauche, à droite sans réussir à se focaliser. Ça, je trouve que c'est un point qui est important et tu vois, c'est en le réécoutant où je le comprends encore d'une façon un peu différente, même si au bout du compte, quand on dit vous allez en alpha, vous vous relaxez, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais je trouve que derrière, on n'a pas forcément cette compréhension à se dire juste je ralentis pour arriver à cette compétence qui m'est innée de pouvoir bien orienter, rester focalisé le temps qu'il faut pour imaginer, reprendre ma problématique. Alors nous, on le fait dans le miroir, mais qu'importe, on est là en train de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a, où, quand, comment, je suis focalisé vraiment dessus et je ne me laisse pas aller à plein d'autres idées, à bouger, etc. Et après, trouver mes solutions, aller vers des solutions, créer des solutions, imaginer des solutions, etc. Tu vois, alors pourtant, c'est tout bête, c'est quelque chose qu'on sait, mais moi, je trouve que la manière dont il le répétait avait quelque chose qui, pour moi, avait encore plus de sens. Ça me parlait, ça complétait tout ce que, à chaque fois, on parle de relaxation. Mais je trouve que ça va plus loin que le mot relaxation à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là ? C'est d'accord. Alors, après, émission 2, et effectivement, ça revient à ce que tu as dit il y a quelques minutes, l'intelligence humaine et l'intelligence biologique. Il disait alors que lui, il ne voulait pas utiliser le mot soul ou spirit. Et donc, il a préféré utiliser le mot intelligence humaine pour ne pas rendre trop spirituel et passer dans un monde qui serait limite religieux à certains moments. Et donc, il a préféré utiliser la sémantique intelligence humaine. Donc, si je trouve que c'est très pertinent parce que très rapidement, quand on va parler d'esprit, de soul, donc c'est d'âme, on va, pour des personnes qui veulent juste apprendre à mieux travailler avec eux-mêmes, pour être plus en ouvert à leur potentiel, pour avoir plus confiance en elles, si on commence à ajouter des mots comme l'âme et l'esprit, il y a peut-être certains qui vont dire oh, t'es gentil, mais moi je suis pas là pour purifier mon âme et non, je suis là pour l'intelligence humaine. Et effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, l'intelligence humaine et l'intelligence donc spécifique de l'humain, et il y a l'intelligence biologique, et l'intelligence biologique est aussi dans l'humain, mais il y a un petit plus dans l'humain. Je trouve cette volonté de une fois de plus, de séparer l'espèce de côté très religieux, spirituel, complètement pertinent, alors que pourtant, on sait à quel point José était, lui, spirituel et religieux. C'est quelque chose que toi, t'as beaucoup remarqué, qui faisait cet effort-là de couper l'aspect un peu spirituel de sa méthode, notamment au début, parce que peut-être qu'avec le temps, il a un peu changé, mais est-ce que t'as eu cette sensation où vraiment il faisait attention, surtout sur le niveau de base, de pas du tout ramener sur des notions spirituelles ? Absolument. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment que ça soit totalement universel. Et le moment que tu commences à parler de l'âme, par exemple, alors où tu commences à diviser les croyances religieuses un peu différentes, ou bien qu'est-ce que ça fait pour les agnostiques ou les athées, parce que pour José, la méthode Sylvain, c'était pour les athées et les agnostiques aussi. Il ne fallait pas croire dans un certain concept religieux pour pouvoir quand même fonctionner en alpha. Ça, c'était quelque chose quand même prouvé scientifiquement, tout le monde pourrait l'accepter. Et c'est vrai que dans d'autres livres, dans d'autres cours, il va beaucoup plus loin, il exprime un peu ses idées personnelles, etc. Mais dans le cours de base, strictement universel, et quel est le mot que je... laïque, c'est ça le mot que je cherche? Ouais, laïque. Ouais. Le plus proche qu'il arrive à spirituel, c'est quand il dit
justement que nous sommes là pour créer un meilleur monde pour ceux qui vont nous suivre. Et là, on est un tout petit peu philosophique, mais pas du tout par rapport à une certaine religion ou une autre. Même les athées, ils vont dire, mais oui, moi, je veux créer un meilleur monde. Quand tu dis que sur les autres niveaux, il est parfois un peu plus spirituel, comment t'as senti, toi, qui l'as fait à plein, plein, plein de personnes? Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu l'as fait à plein d'obédiences religieuses différentes. Tu l'as fait aussi bien avec des musulmans, tu l'as fait aussi en Israël, non? Tu as fait en Israël, mais tu as aussi. Non, Israël, c'était hypnose quand C'était même. hypnose, ouais, mais tu n'as pas Mais appelé hypnose, ouais, c'était on hypnose. apprend la méthode Silva en Israël, oui. Je connais les instructeurs, oui. Et tu as eu l'impression que dans les désobédiences religieuses, je ne parle pas du niveau de base, mais après, il y a eu des gens qui sentaient mal par rapport à la façon dont c'est présenté, ou même dans les niveaux ultra ou autres, il y a toujours cette sensation où les gens se sentent à l'aise avec leur culture religieuse et la méthode. Tu as déjà vu des personnes qui étaient un petit peu échaudées ou à 95%, tu sens que les gens étaient très très bien là-dessus. La seule fa... enfin, quelquefois tout au départ, mais ça uniquement depuis on a dit oh là là, est-ce que c'est une secte, etc. Et là, les D'accord. gens, justement, mais pour des toutes petites choses, comme par exemple dans la version originale des phrases PES, on Ouais. disait que justement l'imagination peut voyager n'importe où dans la planète, n'importe quelle planète du système solaire, n'importe quel système. Et il y avait et à l'époque, on faisait ça depuis le départ. Maintenant, on fait uniquement dans la deuxième partie du cours. Et je me rappelle, il y avait une dame qui dit, oh, non, 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 ça c'est trop. Et elle est partie comme ça. Et ouais, parce que pour elle, c'était trop, non, non, c'est trop spirituel, c'est peut-être un secte, je me trouve dans quelle. Non, non, moi, je suis venue uniquement pour mieux, justement, étudier ou mieux réussir mes buts, etc. Donc, quelquefois, les gens, tout au départ, ils ne sont pas sûrs, mais la plupart des gens, quand ils arrivent, et on entend juste la conférence et on voit tout de suite que c'est une méthode, c'est une série d'outils et on n'est même pas obligé de croire en quelque chose. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un moment où on dit carrément, tu peux accepter ou refuser tout ce que je dis. Et moi, je dis justement, je ne suis pas du tout offensée si tu ne crois pas ce que je dis, parce que je ne suis pas là pour te convaincre de quelque chose, je suis là pour t'enseigner des techniques. Et comme toi, tu dis toujours, teste pour toi-même. Teste pour toi-même. Et quand tu testes pour toi-même, c'est efficace. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant. Et effectivement, hein, je comprends bien qu'il y a des personnes qui ont des convictions religieuses et ça peut. Là, moi, je trouve vraiment, et c'est sur ça qu'on se fixe beaucoup, hein, sur le niveau de base, je trouve qu'il n'y a pas un moment.